Hey, what's up, guys? Rappelez-vous, dans mon vlog 297, il y a quelques jours, je vous expliquais c'était quoi notre programme intérieur, puis je parlais de l'importance qu'il soit bien réglé. Dans les trois prochains vlogs, je souhaitais vous présenter la procédure pour que vous puissiez vous créer un nouveau programme intérieur, ou du moins remplacer les parties du disque que vous aimez pas ou qui vous bloquent. Donc, sans plus tarder, guys, la première étape pour vous créer un nouveau programme intérieur, c'est d'identifier vos croyances limitantes. Donc, commencez par vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce que je me dis régulièrement qui a tendance à m'arrêter dans mon élan? Quelles sont les pensées que j'entretiens fréquemment qui me disent que c'est pas possible, ou que je peux pas faire ça, ou que je suis pas assez bon pour y arriver, ou encore que ça en vaut pas la peine? Je vous invite dès aujourd'hui, pour les prochaines semaines, à devenir un espion de vos pensées. Tout commence par la prise de conscience. Écoutez vos paroles dans vos conversations avec les autres. Soyez attentifs à vos pensées puis à leur contenu. Votre monologue intérieur est en permanence en train de s'exprimer. Écoutez les mots que vous utilisez, puis je vous dis que vous allez être surpris par le nombre de mots que vous utilisez à chaque jour qui vous bloquent puis qui vous limitent. Identifiez-les, puis notez-les pour en prendre pleinement conscience, puis je vous retrouve demain pour la deuxième étape pour vous aider à créer un nouveau programme intérieur. Bonne fin de journée, guys. Ciao!